Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine. Alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Bon, aujourd'hui, comme d'habitude, petite vidéo sur IFO Investment Online. Je vous fais un petit peu le topo d'où est-ce que j'en suis. On sait un petit peu ce qu'il en est. Donc, si on regarde un petit peu mon portefeuille, je suis à 2 250 $ investis sur IFO. Je suis à un total de profit de 1 792,43 $. En réel profit argent que j'ai pu retirer de la plateforme jusqu'à présent, 1 770 $. Donc, j'ai une petite perte légère pour le moment, sachant que le reste n'est pas retiré. Mais voilà, rien de très grave, tout se passe très très bien. On peut voir qu'au moment d'ailleurs où je tourne cette vidéo, on a un solde disponible pour le retrait de 51,53 $. Donc si je veux les retirer, je le rappelle, je clique sur se désister. Moi, pour ma part, je passe par le portefeuille Tron TRC20 pour éviter le maximum de frais. Je suis payé en USDT, je clique dessus. Ici, je rentre le montant, je mets par exemple 50, je clique sur se désister. Je ne vais pas le faire parce que je sais que je vais me reconnecter sur la plateforme plus tard dans la journée, donc je le ferai ultérieurement. Généralement, je le fais une fois par jour avant d'aller me coucher, histoire de retirer mes fonds et d'être tranquille et de continuer à les faire travailler sur d'autres plateformes. Voilà. Chose qui s'est passée sur Investfoom Online. Déjà, la petite image là, vous vous souvenez, elle était dans le bleu, là, elle passait un peu plus dans le glauque, un peu plus dans le dark, elle est de couleur sombre. Ici, hop, on peut calculer nos revenus. Alors, sachant qu'il y a un nouveau plan d'investissement qui est sorti sur Investfoom Online. Si on regarde justement dessus, hop, sur investissement, vous aviez, je le rappelle, le IFO classique, 1,17% par jour du lundi au vendredi, le IFO crypto, 0,91% par jour tous les jours, le startup IFO, c'était mon petit préféré à 0,97% par jour, donc pareil tous les jours, et maintenant nous avons le IFO de Nero, donc 1,07% par jour tous les jours. Par contre, pour celui-ci, le minimum d'investissement est de 500 $. Sachant que pour celui d'avant c'était 250, celui d'avant c'était 100 et celui d'avant c'était 25. Moi je le rappelle, quand j'ai démarré sur la plateforme, j'avais le IFO classique qui était sorti donc avec un minimum de 25 $ et 1,17% par jour du lundi au vendredi, je le rappelle, et le IFO crypto à 0,91% par jour, un minimum d'investissement de 200 $ et un bénéfice donc de 0,91%, bien sûr, si vous investissez 100 $ au minimum par jour du lundi au dimanche, donc tous les jours. Donc, c'était les deux premiers plans qui sont sortis. Après, derrière, nous avons eu un nouveau plan d'investissement, le Startup IFO, qui était mon petit préféré parce qu'il y avait du 0,97% par jour, donc tous les jours. C'était un petit peu plus que l'IFO crypto, mais par contre, chose qui était intéressante ou pas, après, ça dépend de quel point de vue on se place, mais si on se place du point de vue du site, on était obligé d'investir 250 $ au minimum, donc de faire deux fois plus, enfin même plus de deux fois l'investissement qu'on faisait sur IFO Crypto. Donc jusque-là, je trouvais qu'il n'y avait pas de problème et tout. Là maintenant, il y a un nouveau plan d'investissement. Celui-ci, c'est 500 $. Donc ça commence à faire une sacrée somme à investir sur justement ce plan d'investissement. Par contre, c'est vrai qu'il est bien rentable. On fait du 1,07% par jour. Alors, il y a plusieurs choses qui font tilter donc dessus. Bon, déjà, première, si vous voulez que j'essaye ce plan d'investissement, mettez-le-moi en commentaire, je ferai l'essai, on va voir ce que ça donne. Et on verra combien de temps on va mettre à se rembourser, sachant que je pense que celui-ci, si je l'achète, je ne sais pas si je vais arriver à me rembourser à 100%. Voilà. Mais chose qu'il faut faire attention justement maintenant, c'est que petit à petit sur la plateforme, on voit que les plans d'investissement augmentent. Donc, ce qui veut dire pour moi que la plateforme dégage de moins en moins de fonds, que c'est de plus en plus compliqué pour eux, et qu'ils demandent du coup d'investir plus, étant donné que jusqu'à présent ça fonctionne. Vous voyez, moi si je retourne sur Général, je suis bien arrivé à retirer justement mes fonds. Je suis arrivé à retirer donc bah, là, hop, pardon, c'est ici, retrait total 1 770. Je n'ai pas eu de problème. Mais si maintenant je réinvestis sur justement ce plan d'investissement, sachant qu'en général il faut un peu plus de 3 mois pour être rentable, voilà, c'est la question que je me pose. Donc mettez-moi en commentaire si vous voulez que j'essaye. Au cas où je ferai l'essai, je vous avoue que je suis un petit peu curieux et je pense que j'ai quand même envie d'essayer. Voilà, ça peut être sympa de voir ce que ça donne. Donc dites-moi en commentaire ce que je veux faire. Et puis bah, si aussi vous voulez regarder un petit peu plus d'informations sur Investfoom Online, vous pouvez retrouver le lien en dessous dans la description. Donc voilà, il y a 4 plans d'investissement, sachant que toujours vous faire votre propre avis sur ce genre de plateforme.
Et comme d'habitude, ne jamais investir tous vos œufs dans le même panier, que ce soit celle-ci, bien sûr, ou d'autres, mais celle-ci en priorité, sachant que, je le rappelle, sur toutes les plateformes que j'utilise, celle-ci étant la plus risquée. Voilà, donc je le rappelle, faites-vous votre propre avis, regardez bien, diversifiez-vous, et voilà. En tout cas, moi, pour le moment, ça fonctionne. Je le rappelle, mettez-moi en commentaire si vous voulez que j'essaye, comme ça, au pire, je fais l'essai pour vous d'investir, voilà, comme ça, vous suivez à travers moi ce qui se passe sur cette plateforme, voir si ça fonctionne toujours et le temps que ça met. Mais voilà, faites-vous votre propre avis, et puis écoutez, quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !